Rien, une des canilles, ils m'ont arraché mon amant pour le placer derrière les grilles où il est depuis bien longtemps. Comme s'il avait commis un crime, comme un bandit de grand chemin, ils ont jugé à quoi ça rime. Que 20 ans lui ferait du bien, que 20 ans lui ferait du bien. C'était un peintre formidable, plein de talent, de qualité, et qui voulant m'être agréable, fabriqua quelques faux billets, des billets de 100, des billets de 1000. Si vous saviez comme c'était beau, il était devenu si habile qu'à côté les vrais semblaient faux, qu'à côté les vrais semblaient faux. Il n'a pas eu de chance, il n'en était qu'à 8 millions, lorsqu'un jour la Banque de France a eu vent des contrefaçons. Comme le ministre des Finances n'acceptait pas l'association, ils ont brisé la concurrence en jetant mon âme en prison, en jetant mon âme en prison. J'en vins et raflais ses chefs-d'œuvre pour les détruire, et méchamment me refusèrent un petit million en souvenir. Ceci nous prouve qu'à notre époque, il n'y a pas de justice, et c'est navrant de voir que les plus grands se moquent du destin du petit artisan.